Salut à toutes et à tous, c'est Inkycraft. On se retrouve aujourd'hui, mes chers amis, eh bien pour l'épisode 9, hein, je pense, de notre hors-série, qui aujourd'hui parlera d'un jeu, hein, qui normalement sort demain ou après-demain, je pense qu'il sort demain, hein, d'après la date, et qui est Blossom Tales, alors de The Sleeping King. Et c'est un Zelda-like. Alors on va découvrir ensemble ce que c'est. Ici c'est la démo, mes chers amis, donc je vous le fais pour les hors-séries. Et c'est un let's play que je vous ferai directement après Pokémon 3D. Donc ça fera partie de la séquence des jeux 1D. Alors sans plus tarder, mes chers amis, bon, on va commencer ça tout de suite, hein, c'est parti, hop. Et évidemment, donc on va regarder un petit peu les options qu'on a. Bien évidemment, le volume de la musique, on va le baisser un tout petit peu. Volume des effets sonores aussi. Plein écran, non, on va le laisser comme ça, hein. De toute façon, il n'y a pas de souci avec ça, vu que de toute façon, ça me permet de capturer en fenêtré, bref. Les commandes, il n'y a pas de souci avec ça. Modifier la langue, on peut avoir différentes langues, donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème avec ça. Hop, c'est parti, on joue. Bien, bien, bien. Donc le jeu est en français, ça m'arrange un peu que de toujours faire un jeu indé en anglais, mes chers amis. Donc voilà, au fait, tout simplement, on a un grand-père, hein, qui dort, hein. Et puis il y a les petits gosses qui arrivent. Grand-père, grand-père, qu'est-ce qui se passe? Je t'avais dit qu'il serait endormi. Il dort tout le temps. Normal, à son âge, il faut bien qu'il récupère. Grand-père ! Ah, ça y est, ils l'ont réveillé. Quoi ? Oh, chers petits enfants, quelle bonne surprise ! Il s'est réveillé ! C'est un miracle, ce Noël ! Grand-père, raconte-nous une histoire avec sa saute. Ah, les enfants, ils arrivent d'emblée, tiens. Papy, raconte-nous une histoire. Alors, ouais, une histoire. Qu'est-ce que je vais vous raconter? Je vais vous raconter l'histoire du brave petit elfe qui habitait dans le royaume magique de... Oui, un million de fois. Ouais, vous vous doutez bien un petit peu de quoi ça faisait justement référence, mes chers amis. On avait début du nom avec un H. Vous doutez bien que c'était de Hyrule qui parlait, hein. Même si on considère que dans les Iliens sont des humains et pas des elfes, bref. Hein, sans référence avec les longues oreilles et tutti quanti. Bon. Une histoire qu'on n'a pas encore entendue, grand-père. Allez! Et que ça saute. De nouveau. Je connais l'histoire parfaite. Je vais vous raconter l'histoire du grand royaume de Blossom. Youpi! À l'unisson. Voilà. Du coup, paf, ils font une attaque rodéo, ils se mettent au sol et ils écoutent le papy. Dans ce charmant royaume habitait une jeune fille du nom de Lily. Lily menait une vie tranquille aux côtés de son de sa grand-mère. Tout du moins jusqu'au jour où ce qu'elle attendait se produisait enfin. Et voilà comment notre histoire commence, mes chers amis. Tout simplement comme ça. Je trouve ça magnifique, hein. Ça fait un petit peu... un petit conte qui est raconté comme ça. J'aime bien un petit peu les narrations, un petit peu dans ce style-là. Cette histoire recommence lors d'une journée très spéciale pour notre héroïne. Bon, je vais faire un petit peu la voix off maintenant, hein, plutôt que de faire les voix à la grand-père. Est-ce que c'était son anniversaire, grand-père ? Non, ce jour-là était bien plus important encore que son anniversaire. Alors, c'est vrai que j'ai pas parlé de la durée de l'épisode, mes chers amis. Bien évidemment, c'est un hors-série, donc on fera la démo dans son intégralité. Donc bon, peut-être que ça durera 20 minutes, 40 minutes. Bref, vous êtes habitués aux hors-séries, hein, pour ceux qui suivent la chaîne. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Certains jours n'arrivent qu'une fois dans toute une vie. Je ne ferai pas la blague. Pour ceux qui ont compris, en tout cas. Oh, ça alors ? Elle est encore au lit. Oh, bon, c'est la grand-mère. Ah, ça alors ! Elle est encore au lit ! Ma petite fille, réveille-toi ! Allez, on se lève, debout! Bonjour, Lily! Bam, voilà. Oh non, j'ai encore dormi trop tard! Tu avais tellement hâte d'être à aujourd'hui que tu n'as pas pu t'endormir, c'est ça? Ah, ça, c'est un peu la Pokémon, c'est sa chasse. Bien sûr que non! J'ai entendu ce jour toute ma vie! Bon, je vais pas faire la voix de la fille tout le temps, parce que si je dois me taper ça tout le long du let's play, vous comprenez. Hein, on se comprend entre nous, hein. N'oublie pas, si tu as besoin de conseils, tu peux toujours venir me voir. Je ferais bien d'y aller, tu ferais bien d'y aller avant qu'il ne commence sans toi. Je t'aime, grand-mère. C'est parti. Alors du coup, on a les trucs habituels, hein, mes chers amis, voilà, le soulevage de peau, hein. Exactement comme nous avions dans A Link to the Past, Link's Awakening, etc. Bon, notamment, hein, nous avons toujours des pesos ou des choses comme ça qui sont cachées dedans. Bon, ici, on n'a rien. La grand-mère nous suit du regard. Ah, ah, ok, très bien. Bon, il n'y a pas de souci avec ça, on va pas lui reparler. On est parti. Et voici le petit royaume de Blossom. Nous sommes bien évidemment dans le village qui est dans le château. Lily, sortir sa carte. Non, ok, d'accord, c'est le grand-père. Alors, Lily sortit sa carte et marque la destination d'un carré jaune. Bah oui, voilà, c'est ça. Il y a même la carte comme dans Zelda. Donc, c'est vraiment un Zelda-like à l'état pur, mais ça, c'est bien.
Ça fait un peu fan game sur les bords. Donc c'est très très bien. Ok, d'accord, on peut zoomer. On peut encore plus zoomer. On peut centrer. C'est bon. Et là, du coup, on repart dans le menu. Voilà. Et là, on peut continuer l'aventure, mes chers amis. On ne peut pas sauter. Bah oui, bien évidemment. Je suppose qu'on saute quand il y a des ravins, hein, comme dans tout Zelda. Donc voilà, il n'y a pas de souci avec ça. On va visiter un petit peu le monde, hein, comme ça, mes chers amis. On est parti. De toute façon, on est en mode tranquille. Hein. Ah, le nuage disparaît quand on passe en dessous. Ça, c'est agréable, ça. On est en mode tranquille, bien évidemment, puisque... on est parti pour un petit hors-série d'une petite 25-40, voire pourquoi pas une heure. Hein, je fais l'intégralité du jeu. Alors ici, il va nous vendre... Enfin, il pourra nous vendre certainement des choses après. Alors, même les chevaliers les plus braves n'osent pas s'aventurer dans les terres abandonnées. Très bien, ok, il n'y a pas de souci avec ça. C'est les petits forgerons, très bien. Alors, est-ce qu'ici, ils ont des choses? Ben, il a un pot, on va lui casser son pot. Tiens! Il n'y a rien dedans. Bon, lui, on peut lui parler. Petite Lily, tu as attendu dans la salle du trône. Viens me voir quand tu auras terminé. Ah, ok, d'accord. Bon, lui, on pourra aller le revoir une fois qu'on aura fini avec la salle du trône, là où on doit aller maintenant. Parce que, bon, je suppose que vous imaginez bien ce qui va se passer si on va à la salle du trône. Vu que c'est un jour qu'elle attend depuis longtemps et que ça peut arriver qu'une seule fois dans sa vie. Bon, on va pas vous faire un dessin plus longtemps. Villageois, je déteste la saison des champignons. J'exègre la soupe aux champignons. Et je hais les champignons. Bon, d'accord. Il n'aime rien du tout qui est à base de champignons. Ce pauvre homme. Bon, très bien. On aura tout le temps de visiter le château encore après, mes chers amis. On va aller directement au château. Enfin, le château, le village. On va directement aller au château. On a une petite fille ici. Elle est encore plus petite que nous. Les rumeurs racontent que de nombreux coffres au trésor sont cachés dans tout le royaume. Qui trouve garde ? Voilà, c'est ça. Et reprendre ses volets. Bon, du coup, il n'y a pas de souci avec ça. Bien, bien, bien. Oui, bon, ça ne sert à rien. De toute façon, il nous faut l'épée. On va aller au château. Voilà. Oh, si c'est pas beau, ça, c'est le roi au monumental, mes chers amis. Ah, voilà. Alors ça, c'est... Voilà, on va nous l'expliquer de toute façon. Lily venait de mettre la main sur une pierre de portail. Si elle en active une autre, elle pourra alors se téléporter entre les deux. Voilà, ce sont des points de liaison, mes chers amis. Ce sont des points de TP, tout simplement. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, ici. Bon, on va rentrer dans le château. Et c'est parti. De toute façon, je dis que ça a duré 25 minutes, mais ça va peut-être durer qu'un quart d'heure, hein, l'épisode. Bon, je ne sais pas. Moi, je sais bien que je l'ai déjà fait une première fois, la démo. Hein. Heureusement, Lily arrive juste à temps pour la cérémonie. Est-ce qu'elle allait revenir? Est-ce qu'elle allait devenir la nouvelle reine ou un truc comme ça? Oh oh oh, pas exactement. Ah, pas exactement. Bon. T'es un peu jeune quand même, ma grande, pour aller avec le roi qui fait je ne sais pas combien d'années de vieillesse. Et enfin, toi aussi, je te nomme Messire Lily. C'est quoi? Une dame, grand-père, elle devrait s'appeler Messire Lily. Plus, si tu le dis, je veux dire Messire Lily. Debout, Lily, tu es désormais un chevalier de la rose. Et voilà, tout simplement. Donc du coup, notre petite Lily est devenue une chevalier. Voilà, je pense pas qu'on dit chevalière, hein, bref. Chevalier de la rose, cool! Sachez qu'un jour, la sûreté de ce royaume reposera entre vos mains, jeune guerrier. Le mage Crocus va maintenant bénir le chevalier. Le mage Crocus qui fait je ne sais pas combien de taille en pixels, mes chers amis, c'est un beau sprite. Certainement, mon frère, ronchonne. Que la rose soit avec vous, chevalier. Alors, on a le vieux, là, hein, le vieux, hein, le vétéran. Écoutez-moi bien, recrue. Les donjons sont remplis de rats et doivent être purgés. Des volontaires ? Tout le monde s'en va. Lily, superbe. L'entrée du donjon se trouve dans le couloir à gauche de la bibliothèque. N'oublie pas de consulter ta carte si tu te perds. Avec son épée et son bouclier en main, Lily était désormais un véritable chevalier de la rose. Très bien. Alors, nous avons notre petite jauge et tout ça. Voilà. On peut attaquer. Voilà. Avec A, on attaque. Avec, bien évidemment, la croix, nous pouvons... simplement pareil avec le bouclier. Bien, alors non, du coup, on va aller voir un petit peu l'armurerie, hein, parce que j'avais vu qu'il disait qu'il fallait qu'on soit adoubé pour qu'on puisse aller le voir. Peut-être nous donner... Bon, le premier donjon n'est pas difficile, c'est même pas un donjon, en fait, c'est littéralement ce qui s'appellerait concrètement un tuto.
Mais bon, on va regarder un petit peu. Qu'est-ce que t'as à nous dire? En ce moment, je travaille sur un ajout d'armes spéciales qui te plaira sûrement. Apporte-moi un lingot d'argent, un rouage d'acier, fait main et 20 plumes de druide. Avec ces matériaux, je pourrais fabriquer l'ajout d'armes idéale juste pour toi. Ok, c'est très bien, ça y a un petit système, je vais pas dire de craft, hein, loin de là. Mais on devra récupérer des objets, oh des oiseaux, pour évidemment que lui nous crafte quelque chose de bien plus puissant. Aussi une petite quête annexe, bien évidemment, où on devra ramener des petites choses pour upgrader notre armure. Je suppose que ça sera tout au long de l'aventure, faut voir. Bien, bien, bien. Alors, où est-ce qu'on doit aller? On va visiter un petit peu, mes chers amis. On est là tranquillement, à notre aise. Là, on ne peut pas y aller. Le roi n'est pas là. Alors ça, c'est déjà bizarre, le roi n'est déjà plus là. Il a dû se passer quelque chose, hein. Vous vous doutez bien. Alors toi, qu'est-ce que tu dis? Alors il existe de rares élus comme Crocus qui naissent avec un pouvoir considérable. Il a toujours fait preuve d'un talent inné. Très bien, ok. C'est pour ça qu'il a vite monté en grade à mon avis. Je compte sur toi pour réaliser tes rêves, Lily. Je sais qu'un jour je serai le plus grand chevalier que le royaume ait jamais eu. Ok, très bien, bon, bah, il suit un petit peu ses cours lui aussi, hein. Disciple de la Rose, la magie noire est strictement interdite dans notre ordre. Très bien, tant mieux. Et bon, je suppose que j'en connais certains qui l'utilisent. Je te remercie de protéger notre royaume de la sorte, jeune chevalier. Très bien, très bien. Bon, on va pas tergiverser plus longtemps. Bon, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils disent? Les hommes comme les femmes sont libres de rejoindre les disciples ou les chevaliers. Bah oui, bien évidemment, ne faisons pas de sexisme. Nul ne nous force à porter ce capuchon. En réalité, nous les portons car c'est très confortable. Ah, d'accord. Bon, écoutez, si vous voulez. Hein. Moi, je pensais que ça vous donnait du mana en plus, hein, tant qu'à faire. Bon. Maintenant qu'on ait parlé un petit peu à tout le monde... voilà, hop, bon voilà, notre première pièce, mes chers amis, ça sera notre pièce symbolique. Voilà, et ici, il suffit juste de descendre ici, puis c'est bon, voilà. Donc du coup, nous avons nos premiers ennemis. Lily pénétra à l'intérieur du donjon sans la moindre idée des dangers qu'il y attendait. Ah ah! Ok, d'accord, les enfants paniquent. Voilà, bon, les attaques sont très basiques, hein, mes chers amis, comme vous le voyez. Il n'y a aucun souci avec ça. Et première énigme entre guillemets à la Zelda. Bon, alors là on peut pas placer une énigme, mais vous comprenez bien que là derrière il y a des mécanismes très semblables à Zelda. Hein, je vais toujours le dire, mais bon, vu que c'est un Zelda-like, c'est le cas. Alors on aurait presque dit que les statues avaient récemment été déplacées. D'accord, bon, très bien. Bah, il n'y a pas d'énigme grandement bien difficile là non plus, mes chers amis. Hein. Ça reste encore très très simple aussi. Ce qui est normal là, quand même. On est dans la première phase de l'histoire, on va pas trop nous en mettre des embrouilles. Du coup, on a trouvé de la gelée, voilà. Lily découvrit une potion de santé. Elle pouvait l'utiliser à tout moment en ouvrant son sac pour la boire. Très bien. Ce qui semble normal, ce sont nos petites potions. Bah voilà. Donc de ce côté-là, c'est plutôt pas mal. Alors, on va se mettre contre une statue, voilà. D'accord, c'était pas celle-là, alors ça doit être peut-être celle-ci, je ne sais plus. Oui, c'était celle-ci, d'accord. Voilà, donc du coup, ça nous ouvre la porte. Voilà, petite énigme, légèrement plus compliquée, entre guillemets. Vous me suivez bien là derrière. Alors là, on a des bandits, mais bon, ils ne savent pas nous atteindre. Tiens, voilà, toi tu meurs. Y a pas de problème avec les rats, ce n'est pas les rats qui vont nous faire bien mal. Je crois que je me suis quand même déjà pris une blessure ou deux avec les rats pendant que je jouais la première fois. Il y avait un moment, j'étais bloqué ou je ne sais plus quoi, bref. Hein. J'avais fait le con et je m'étais pris ça gratuitement. Du coup, on a des champignons ici ou des choses comme ça. Ah, bah là, on a une petite araignée. Juste une petite. Hein. Jusque-là, ça va. Alors ici, il faut faire attention. Bah voilà, j'avais justement fait ça. Je voulais pas tomber sur les dalles et je m'étais pris le coup du rat. Bon, au moins, vous voyez ce que ça fait, entre guillemets. De toute façon, il fallait bien se prendre un coup à un moment ou l'autre. Voilà, et ces choses-là, bah, se détruisent, voilà. Tout simplement. Donc, faut pas rester sur les dalles trop longtemps, hein, jusque-là, ça reste encore de la logique pure et simple. Lily pouvait bondir sur les bas-reliefs en se balançant au bord d'une plateforme et en sautant. Très bien, jusque-là, c'est tout à fait normal aussi. On n'a pas quelque chose de bien compliqué en soi, hein. Pokémon, etc., nous l'ont bien appris. Hein, voilà, hop, et Zelda, brut, et voilà, on tombe du coup. Et le rat, tu vas pas m'avoir non plus. Hein, tiens, voilà, dégomme-toi. Détruis-toi, disparaît, et nous pouvons continuer l'aventure, mes chers amis. Mine de rien, nous sommes quand même déjà à 15 minutes d'épisode, hein, ça paraît pas, mais... Alors, pour effectuer une attaque circulaire, Lily devait maintenir son épée devant elle, et la relâcher après avoir accumulé assez d'énergie. Elle pouvait également effectuer une attaque que sauter en assénant un coup pendant son attaque circulaire. Très bien, alors ça, on va
Ok. Voilà, ça c'est bien ça. En fait, c'est très simple. Il suffit juste de concentrer l'épée. Et j'appuie sur la touche directionnelle en même temps que je lâche. Voilà, bon, ça fait un peu bizarre, mais ça reste relativement simple. Du coup, ah oui, ici, bon. Là, on va préparer le bouclier. C'est assez bizarre la hitbox à ce niveau-là, mes chers amis. On va toujours se plaindre sur la hitbox, hein, comme un petit peu tout jeu, mais bon. Lily se figea de stupeur, tandis qu'un véritable torrent de flèches s'abattait sur un chemin délabré. Son bouclier devrait pouvoir la protéger des vilaines flèches, non? Mais oui, bien évidemment, Lily. Lily va protéger. Alors voilà. Et il y a un petit problème d'hitbox. Hein. De temps en temps, on peut se prendre des coups quand même. Voilà. Il suffit juste que ça soit sur le côté et on se prend la flèche. Un peu comme ici, mais là, ça va. Ça ne me l'a pas fait. Là, je suis passé entre deux flèches, donc ça va. Bon, ok, d'accord. Je passe entre toutes les flèches. Tant mieux, j'ai envie de dire. Ça pose moins de problèmes. Hop, voilà. Donc, du ce côté-là, il n'y a pas de souci. On va passer tranquillement, mes chers amis. Voilà. Bah, rien de compliqué. Voilà, tout simplement. Nous avons des pièces supplémentaires, attention. Et voilà, nous cassons un peu des pots de toutes les couleurs. Bien, bien, bien. Donc du coup, on va arriver presque déjà à la fin du premier donjon, mes chers amis. Ça va pas plus loin, la démo, bien évidemment. Hein. Ça, on va pas nous en mettre trop non plus. Hein, ça serait nous gâcher le plaisir. Après, là, il y a les tombes. Là, ce sont les tombes des rois. des rois, pardon. Donc voilà. Oui, on va glisser ça. Et voilà, donc du coup, il y a la porte qui s'ouvre. Enfin, la porte. On peut appeler ça une porte. C'est plutôt le mur. Le mur qui s'ouvre, mes chers amis. Voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Tac, tac, tac. Voilà. Donc du coup, ça, on ne peut pas le bouger. C'est pas celui-ci. C'est pas celui-là non plus. Est-ce que c'est celui-là? Non, ce n'est toujours pas celui-là non plus. Alors, est-ce que c'est celui-ci? Oui, c'est celui-ci. Donc, celui-là, on va le bouger. Hop, voilà. Touc. Et le mur s'effondre aussi. Bien. On peut continuer. Hein. La voie est libre. Tiens. Tiens, toi aussi. Et du coup, est-ce qu'ici on peut le bouger, lui? Non, lui on ne peut pas le bouger. Alors c'est peut-être celui-ci pour une fois. Oui, c'est celui-ci. Ok, d'accord. Bon, très bien, il n'y a pas de problème avec ça. On avance, piam piam, mes chers amis. Donc du coup, on va arriver au premier boss. Et voilà. Premier boss avec lequel nous allons nous battre. Donc du coup, on découvre encore une pierre. Bon, je suppose qu'on pourra peut-être revenir ici. Deuxième pierre de portail. Lily peut désormais se téléporter entre toutes les pierres de portail qu'elle trouve. Voilà, les points de liaison sont faits, mes chers amis. Hein. Ce sont les TP, tout simplement. Voilà, on peut reposer les pots, bien évidemment. Si on en aura besoin un jour, de reposer les pots pour actionner un bouton. Au cœur de la plus profonde salle du donjon, Lily découvrit la source du bruit. C'était le roi des rats, bien évidemment. Comme on peut trouver dans Donjons et Dragons aussi, pourquoi pas. Oh, c'est adorable. Mais non, c'est dangereux. Le dangereux roi des rats serait donc le premier vrai défi de Lily en tant que chevalier. Bam! Voilà. Bon, sa strat est très simple, mais je suis en somme, il n'y a pas de souci avec ça. Moi! tu seras un joli repas pour mes enfants une fois que je t'aurai calciné. Voilà. Bah, simplement, nous jeter des bombes. Et on doit les jeter nous-mêmes à notre tour sur lui. Voilà. Rien de bien compliqué, mes chers amis. Aïe, je me prends quand même un coup. Ce serait un peu trop facile si je me le prenais pas. On va laisser la bombe là exploser, voilà. On prend celle-ci, j'essaie d'être trop rapide, boum! Et voilà, il est mort. Très bien, ciao! Du coup, on a un cœur supplémentaire. Entièrement revitalisé, Lily était désormais encore plus forte. Voilà, du coup, on a un coffre qui pop. Voilà, on va tout simplement aller le prendre, mes chers amis. Et voilà. Bon, du coup, on avait l'air de monter un peu, je sais pas trop pourquoi. Il y avait un truc qui nous retenait. Voilà, des petites pièces supplémentaires. Et... voilà, que gagnons-nous? Nous gagnons les bombes, mes chers amis. Voilà, ce sont les objets qu'on peut utiliser, hein, évidemment, comme dans tout Zelda. Mon instituteur de science dit que les explosifs, c'est dangereux. Et il a bien raison, Chris. Mais notre jeune chevalier pouvait les utiliser pour détruire ses ennemis. Les obstacles qui lui barraient le chemin et les murs fissurés. Très bien. Ben voilà, ben en l'occurrence, là, vous le voyez, un mur fissuré. Donc je me demande si, en tapant, ça fait le même. Non, bah évidemment, là, on ne s'est pas testé, et on n'aura que des fissures, tant mieux. Hein, ça peut, entre guillemets, nous compliquer moins la tâche, voilà. Et, boum! Avec la petite musique, évidemment, un peu, évidemment, comme, voilà. Une fois le roi des rats vaincu, Lily se faufila dans une porte secrète. À l'intérieur, elle découvrit une salle remplie de toutes sortes d'odeurs bizarres. Elle était dans les toilettes, quoi. Oui, bon... c'était le laboratoire secret de Crocus. Ah cool, j'aimerais bien avoir un laboratoire secret moi aussi. C'est dans cet horrible endroit que Lily trouva un ignoble
message contenant le plan maléfique de Crocus. Alors, on va le lire, mes chers amis, mais avant ça... Moi, je veux détruire les coffres. Je veux me faire les poches. On va détrousser ce vil type. Très bien. Alors, Lily trouve 3 autres fragments de ces cristaux spéciaux. Elle aura plus d'énergie. Ok, très bien, l'énergie, hein, le truc vert que vous voyez tout en haut à gauche. Ça nous permet de faire des actions un peu limitées, entre guillemets. On sait voir ce truc-là? Non, pas du tout. Ici, on sait lire? Non, non plus. Alors, un super plan maléfique de Crocugne. Interdiction de le lire, sauf si vous êtes moi. Ok, très bien. Bientôt, je serai enfin assez puissant pour lancer le sort de sommeil sur mon imbécile de frère. Sans Orchide pour m'opposer... Ouais, sans Orchide pour m'opposer, je pourrais lever une armée dans les terres abandonnées et lancer un assaut massif sur le royaume. Le trône de fleurs m'appartiendra. Gna, 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 gna. Oh, ce Crocus est maléfique. Ayant lu le message, Lily se précipita dans l'espoir d'avertir le roi aussi vite que possible. Ok, très bien. Mon bon roi. Orchide, là. Il se passe quelque chose, mais hélas, elle arriva trop tard. Crocus avait déjà lancé son horrible malédiction. Non. C'est pas possible. Oh, cela fait si longtemps... Oh, oui, c'est vrai, il faut lui prendre sa voix. Oh, ça fait si longtemps que j'attendais ce moment, cher frère. Tu dormiras d'un profond sommeil. Et moi, je m'aviserai de conquérir le royaume avec mon armée des ténèbres. Sans toi pour le diriger, ce royaume courra à sa perte. Et moi, Crocus, je deviendrai le premier roi mage. Bon, halte! Qu'est-ce que c'est de ça, rire électronique? Tu as interrompu le mauvais mage. Insignifiante recrue. Paf! Et Lily, qu'est-ce qui lui arrive? Non, Lily! Dors, mon frère, dors! Boum, zoom, bam! Et voilà, qu'est-ce qui se passe pour le coup, mes chers amis? Ça, c'est la question. Lily est morte et le roi est maudit? Mais pourquoi, grand-père? Pourquoi? Je sais pas que tu voulais dormir et couper l'histoire trop tôt, mais elle ne peut pas être morte, patate! L'histoire vient à peine de commencer. Bah oui, bien évidemment. Oh 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 oh, tout juste! En maudissant le roi pour le plonger dans le sommeil éternel, Crocus pouvait agir, comme bon lui semblait. Quelle fripouille! Mécréant. Ah, du coup, ça va, on se lève. Alors, disciple de la rose, le mage Crocus a tendu un vil piège à notre roi. Mais n'ayez crainte, chevalier, le futur de notre royaume repose sur vos épaules. Avec 3 ingrédients sacrés issus du monde extérieur, nous pouvons préparer une potion légendaire capable de dissiper la malédiction. Sans notre roi, Crocus sera libre de lever son armée et de ravager le royaume. Nous n'échouerons pas au nom du roi! Très bien. Et du coup, bah, vous savez c'est qui va se charger de tout, hein, bien évidemment, hein, qui sera assez compétent pour le faire. C'est un, entre guillemets, RPG action, hein, bien évidemment, c'est un jeu d'aventure à la Zelda, donc bien évidemment, hein, tout l'avenir du royaume repose sur nous, il n'y a que nous qui sommes capables de le trouver. Et Lily, alors? Elle va aider, elle aussi, non? Haha! Qu'en pensez-vous, les enfants? Bah oui, bien évidemment. Lily est brave, bien sûr, qu'elle va aider. Où est le premier ingrédient? Ah, je veux aider les chevaliers! J'admire ton courage, mais cette mission est amplement trop dangereuse pour une nouvelle recrue. Mais... Alors, en dépit des propos tenus par les disciples de la Rose, Lily était déterminée à sauver le roi Orchide. Moi, je dis Orchide, hein, sans doute que ça a à voir avec Orchidée et tout ça. Bon, moi, je dis Orchide. Hein. On prend qu'il y en a certains qui pourraient certainement dire le mot plus correctement que moi, mais bon, c'est pas grave. Même si, pour ce faire, elle devait traverser des contrées dangereuses et affronter de terribles créatures. Elle peut les battre! Ouais! Alors, elle va où en premier, Lily, grand-père? Lily devait se rendre à... voyons, je crois que j'ai oublié. Hey, grand-père! Non! T'oublie pas, fais pas cette blague! Ah, je m'en souviens. Lily devait aller dans un lieu très ancien appelé le Havre du Golem. Là-bas, il lui fallait trouver le premier ingrédient de la potion, un trèfle féerique. Très bien. Ah! Pour aller jusqu'au Havre du Golem, Lily n'avait d'autre choix que de s'aventurer au sud du château de Blossom, au cœur du pays sauvage. Update. Voilà, très bien. Bon, il suffit juste de faire, je crois que c'est la carte, voilà, c'est ça. Et la carte, voilà. Et donc, du coup, c'est en bas. Voilà. On doit se rendre dans ce petit endroit, mes chers amis. On devra passer la porte et... Bah ça, malheureusement...
vous comprenez bien qu'on ne pourra faire ça que le jour de la sortie du jeu, hein, donc en ayant acheté le jeu, bien évidemment. Donc c'est-à-dire que moi, je vous le ferai, bien évidemment, le jour où j'aurai terminé Pokémon 3D. On verra ça. On visite un petit peu la ville ensemble, mes chers amis, maintenant. Vu qu'on n'a pas d'autre chose à faire, on va parler un petit peu à tout le monde. Et donc voilà, on a combien ? On a 25 minutes d'épisode, mes chers amis, ce soir. Ouais, bon. Le château de Blossom ne tombera jamais tant que nous serons présents pour le protéger. Et en plus, ça rime, donc c'est efficace. Partir seul de la sorte pour trouver les ingrédients demande énormément de courage. Ben oui, bien évidemment, mais on est courageuse, c'est quand même Lily. Lily est courageuse. Elle va y arriver. Oh, ici, on est, je sais pas, chez une dame. Gadi le grand... Ah, c'est un mec, mais une robe, c'est pas grave. Gadi le grand joueur, salut, tu veux jouer à un jeu? Je ferai apparaître 3 coffres. Un contient une récompense et 2 autres, qui sait? Il suffit de payer 30 pièces d'or pour jouer. Est-ce qu'on a 30 pièces d'or? On va regarder. Mais je n'ai pas 30 pièces d'or. Alors reviens si tu te sens chanceuse et si tu as 30 pièces d'or. Ok, d'accord. Ah oui, on en a que 16, on a à peine la moitié. Bon. On va regarder un peu. Pourquoi pas faire ce petit mini-jeu, mes chers amis? Après tout, ça peut être marrant. Toi, qu'est-ce que tu dis? Un de ces jours, je partirai à l'aventure tout seul. Bon, ok, très bien. C'est tous des gens qui ont de grandes aventures dans les yeux, dans les oreilles et tout, dans les yeux, partout. Ah, la lumière qui émane de partout ici. Alors, on a un gamin qui lui manque des oreilles. J'aurais dû rejoindre les disciples de la rose. Leur capuche est tellement tendance. Ah bon? Oh, tu peux toujours en acheter une, hein, de capuche. Hein. Tu ne devrais pas être à l'intérieur du château à faire des trucs de chevalier? Oui, bon. Bah, c'est ce que je m'en vais faire, à ma grande. Je m'en vais être chevalier. Hein, je pars à l'aventure. Toi, tu marches tout doucement. Villageois. Villageois ou villageois? Ils ressemblent tous à des femmes. C'est bizarre, ça. La saison des champignons vient de commencer et j'ai déjà utilisé toutes mes recettes de soupe. Décidément, ils sont tous grands consommateurs de champignons, hein, sauf le gars qu'on a vu tout à l'heure qui n'aime pas. Ah, plein de pièces, mes chers amis. Très... Wow, on a augmenté de 10 pièces. On va tout casser, hein. Tiens, voilà. Je casse tout chez toi, ma grande. Désolé. Ma grande, mon grand. Du coup, je sais pas. Puisqu'apparemment, ouais, ils sont androgynes. Ils sont les deux. Écoutez, pourquoi pas, le royaume de Blossom se contente comme il peut, je ne sais pas. Il existe des sorts dont nous ne connaissons même pas l'existence. Très bien, et toi, qu'est-ce que tu dis? Nous avons des disciples de parts et d'autres du royaume, enfin, sauf sur les terres abandonnées. Bah oui, hein, ça doit être des mauvais... Pardon, mes chers amis, ça doit être des mauvaises personnes. Voilà, je casse tout. Du coup, on a 30 pièces. C'est parfait. Alors ici, c'est un temple de la rose, à mon avis. J'aime admirer les nuages soyeux qui passent. Ok, d'accord, c'est très bien. Belle musique au passage. Je le déteste, la saison des champignons. Ah bah c'est le même type au fait ça. Et ici lui maintenant? Qu'est-ce qu'il fait là? C'est à cause du serment royal que Crocus a dû avoir recours à un sort du sommeil. Il ne peut pas tuer le roi. Ah, très bien, ça c'est déjà quelque chose, c'est très bien placé au niveau scénario. Tu trouves que ce capuchon me grossit ou pas? Ouais, je pense que c'est le moindre de nos soucis. Hein. Parlez. Les jeunes disciples comme moi n'ont pas le droit de quitter le château. Mais c'était plus fort que moi. J'ai lancé quelques sorts très puissants pour me faufiler à l'extérieur et pour éviter de me faire prendre. Partout où j'allais, je cachais mes pensées sur un bout de parchemin, puis je le dissimulais sous ma robe. Mais ce n'est qu'en arrivant ici que je me suis rendu compte que mon étui à parchemin était troué. Je sais que mes précieux parchemins se trouvent là-bas quelque part. Si tu les trouves, pourrais-tu me les rapporter? Ok, très bien. Ça, pendant la démo, c'est vrai que j'avais oublié de faire ça là maintenant au début. Bon, c'était pas grave parce que c'était découvert par hasard. Et les petits parchemins qu'on trouve. Et donc maintenant, je sais ça à qui qu'il faut le rendre. C'était à lui. Lui ou elle, hein, de nouveau. Bah ici, on peut pas passer. Ok, d'accord. Bon, il y avait dû avoir une herbe. Tu ne devrais pas être à l'intérieur du château à faire des trucs de cheveux. Encore? Si vous êtes les mêmes personnes, vous popez partout, quoi. Alors ici, qu'est-ce que tu donnes, toi? Tu donnes un parchemin. Bah voilà, c'est ça. C'est ce fameux parchemin-là. Je m'étais rendu là au tout début. J'ai rendu visite à un de mes amis dans le royaume avant de me faufiler. Voilà, c'est ça. À l'extérieur du château, vous savez, au cas où je me ferais enlever par des voleurs, brûler par des sorcières ou pire encore. Le monde est dangereux, certes, mais je suis prête à explorer les endroits où personne n'a encore osé aller. Qui sait? Peut-être que je rencontrerai mon âme sœur dans un autre village. Ou encore mieux, peut-être que j'apprendrai un nouveau sort génial. Ok, très bien. Bah du coup, tout est lié, mes chers amis. Hein. Et il suffira de le rendre... Oula. Mon papa a dit qu'il y avait un temple quelque part et qu'il est rempli de créatures magiques, faites de roches. Qu'est-ce qu'il a? Il a une araignée au plafond? Bon, très bien, je lui fais une voix bizarre, hein. Y a pas de problème avec ça, mes chers amis. Bon, ben voilà. Du coup, ça nous fait un petit parchemin. Hein. Bon, ici, évidemment, c'est le même. Hein. J'ai entendu des rumeurs là, qui poussent.
Voilà, et si on tape là-dedans, ben on a de temps en temps des pièces. Très bien, c'est normal. Jusque-là, on se trouve dans un Zelda-like, tout ce qu'il y a de plus like. Et donc voilà, on va parler à ce gros. Et toi ? J'ai entendu des rumeurs qui affirment qu'à l'est du château, il y a un pays sinistre où rien ne pousse. Bah ok, il nous dit la même chose. Il est exactement la même chose que le forgeron. Toi, t'as des cheveux bleus. Bah je suppose que tu nous dis la même chose. Un de ces quatre, je deviendrai un chevalier de la rose. Bon, pourquoi pas ? Si tu veux, mon grand. Y'a pas de souci avec ça. Oh, une petite maison, là, sur le côté, un petit peu littéralement abandonnée. Oh, je croyais que c'était un slime vu de dos. C'est ses cheveux. J'aime mes sœurs, mais j'aime avoir mon propre espace encore plus. Bon, très bien. Bon, on va regarder ce qu'il y a. Ah, il y a des coffres. Ah oui, il y a plein de pièces ici. Ça, c'est bien, ça. Ah, plein de pièces. Oh, ça, c'est très bien, ça. Hop, du coup, on va ouvrir ce coffre-là. Et encore plein de pièces, mes chers amis. Du coup, on a combien ? 62. Bon, on pourra faire le jeu deux fois, hein, au cas où on se tromperait. On va quand même péter le coffre ici. Non, bon, il n'y a rien qui a repopé. Il n'y a pas de souci. Très bien, très bien. Il y a une maison encore ici. On va parler à Billy. Billy ! Ah, le pauvre Orchid, j'espère que les disciples trouveront un moyen de réveiller sous peu. Bon, il y a une voix comme ça, il s'énerve. Que voulez-vous que je vous dise ? Ah, tiens donc, qu'est-ce que c'est que ça ? Et si je casse ici, ça donne quoi ? Non, il dit rien, il n'est pas méchant. C'est la poste ici, qu'est-ce qu'il fait ? Il vend, c'est un vendeur. Bon, on va voir ce qu'il dit, hein, mes chers amis. Maître de la poste. Ah, c'est la poste ! Tiens, avec les trucs qui étaient derrière, j'avais à peu près deviné. Bienvenue au bureau des postes du royaume de Blossom. Voici le premier choix en matière de livraison de lettres et de colis. Nous sommes actuellement à la recherche d'une personne aventureuse et responsable pour se charger de la livraison à travers le pays. Une petite fille. Pourquoi pas ? Tu veux le boulot ? Allez oui, on est partant, hein, on se fait un petit boulot d'étudiant. Magnifique ! Tu commences dès aujourd'hui, en fait, dès maintenant. Apporte cette lettre à Carmine, l'une des femmes aux cheveux rouges, elle habite au sud d'ici. Ok, très bien. Bon, elle a aux cheveux rouges et elle habite au sud d'ici. Alors, est-ce que c'est pas cette femme-là, ici, tout simplement ? On va voir. Est-ce que c'est toi ? Une lettre pour moi ? Ah bah oui. Je me demande si c'est une de mes sœurs qui m'écrit. Elle me supplie toujours de revenir à la maison. Allez, quand les poules auront des dents. Et s'il te plaît, retourne voir le maître des postes et passe-lui mes salutations. Voilà, très bien, ok. Bon bah voilà. Du coup, je suppose qu'on va peut-être avoir un objet. Ah, au moins, ça vous fait un petit peu la visite, mes chers amis. Ça vous montre de quoi le jeu est capable. Là, c'est une démo. On va essayer d'explorer au mieux qu'on peut. Hein. Je vais pas trop faire non plus, parce que peut-être qu'après, ça va spoiler déjà le premier épisode que je vais faire. Bon travail sur cette livraison. En même temps, c'est pas si simple, loin de ou quoi. Hein. Ah, waouh ! Ah ouais, d'accord. Oh, bah putain, on peut faire le jeu 4 fois maintenant. Bref, voici ta prochaine lettre. Celle-ci est très importante. Alors fais attention. Elle doit être livrée à Jennifer, au Havre du Golem. Elle vit avec les druides. Très loin d'ici, soupir. Apparemment, il a des vues sur cette femme-là. Sait-on jamais. Ou alors, c'est parce qu'il est crevé, il a pas envie d'aller jusque-là. Bref, un petit oiseau qui passe. Bien, bah du coup, on peut faire le mini-jeu, mes chers amis. Le mini-jeu, je ne sais plus où il se trouve, du coup, bravo. Félicitations, je ne sais plus où est le jeu. Oula ! Et quoi, Ah ouais, d'accord, c'est magnifique, ça. Ça va partir avec plein de thunes. Mais qu'est-ce qu'ils font avec tous ces pots ? Ils ont perdu la tête. Moi, je suis en train de leur pulvériser leur collection de pots à ces pauvres gens. Je sais pas si les pièces ont une limite de temps hein, pour popper. Hein. Enfin, pour dépop plutôt. Je sais pas si au bout d'un moment, ça dépop facilement. Oula, ces magnifiques pots, qu'as-tu fait ? Elle va pas nous demander de les rembourser. Merci, on peut enfin acheter des meubles. Comme des gens normaux. Ah. Non, mes merveilleux pots ! C'est ma sœur qui t'a dit de faire ça, Sniff. Bon, d'accord. C'est sa collection, le pauvre. Ah, on a un quart de cœur. Il y a même les quarts de cœur ici, mes chers amis, donc c'est plutôt pas mal. Ah, un éclat de cœur sacré. Si Lily pouvait en trouver trois autres, elle deviendrait d'autant plus forte. Très bien. Donc il nous faut trois pierres vertes à chaque fois pour augmenter notre énergie, hein, que nous avons là, à la barre verte. Et un quart de cœur pour augmenter, comme dans Zelda, le cœur total. Très bien. Shop. Ah, c'est ici le shop. Ah ben lui, il vend un cœur. Cet éclat de cœur... Non merci, je n'ai pas assez d'argent. Un rouage. Ah, ça c'est bien ça. Équipement d'acier, 200 pièces. On n'a pas assez non plus, bon. Voilà. Ah, il y a un étage. On va aller voir un petit peu l'étage, mes chers amis. Qu'est-ce que ça dit ? Il y a un coffre, bien évidemment. On va lui prendre son... Voilà ! Lily adorait fourrager dans les maisons des gens et il prend de tout ce qui lui appartenait pas. Oh, très bien.
C'est une petite voleuse, en fait, hein, Lily. Hein. C'est une espiègle, c'est une voleuse. Bon, très bien. On dirait que c'est pour le bien de l'aventure, hein, mes chers amis. Hein. Il nous faut un petit peu de pesos pour pouvoir faire l'aventure. Y a pas de souci avec ça. On va faire le mini-jeu du gars, puis je pense qu'on se laissera là pour cet épisode. Bah, pour ce hors-série, tout simplement. Je sais pas si vous me répondrez dans les commentaires pour me dire si le jeu vous plaît. Bon, en tout cas, moi, je pense que je le ferai en let's play, hein, de toute façon. Je le ferai directement après Pokémon 3D. Est-ce que c'était toi? Non, c'était pas toi. Je crois que c'était à côté. Non, c'était en haut. Parce qu'ici, ouais, ça n'a rien à voir. Bien, bien, bien. Alors, on va monter ici, hein, en haut de la map. Et on va aller rendre visite à cette personne. Je crois que c'était lui. Est-ce que c'est toi? Non, la saison des champignons, ça l'écœure. Bon, très bien. On a ouvert le coffre en plus ici. Je voyais qu'il y avait un coffre, mais on l'avait déjà ouvert. Il y avait encore... Non, où est-ce que c'est, au fait? Je sais déjà plus où c'est. C'est terrible, mes chers amis. C'était là, je crois. Bon, à chaque fois, je vais dire que c'est là, alors que c'est pas là. Toi, qu'est-ce que tu fais? Salut, tu veux jouer? Ah, c'est lui. Alors, payer 30 pièces. Ok, les trucs ne bougent pas. On va prendre celui du milieu. Ok, d'accord. Ce qu'on pouvait gagner, tout simplement, eh bien, c'était un cœur. Tu veux rejouer? Oui. On va prendre celui-là. Ok, oh, ça c'est du troll. Bon, je vais reprendre toujours celui de gauche, mes chers amis. Ah, voilà, je prends celui-ci. Ah, ok, d'accord. Waouh, il m'enlève des cœurs. C'est sinistre ça, tu veux rejouer, oui. Ah, encore? Bon, et ici on va prendre le milieu. Et là, il sera à gauche. On parie combien? Bah, ce troll! Ah non, non, c'est horrible ça, mes chers amis. Ah, je suis très mauvais là. Voilà, on va prendre au milieu. Oui, ça y est, on l'a. Ah, on s'est pas laissé avoir. Très bien. Bon, et eh bien voilà, mes chers amis. Donc, du coup, on a notre cœur. Bon, il nous en manque plus qu'un quart. Et je pense qu'on a déjà un cœur supplémentaire. Ça sera pas mal. Bon, je sais pas si l'autre se trouve ici dans le village. Bon, ben voilà. Du coup, on va quitter la ville. Hein, simplement. Et on va laisser la démo se terminer. Voilà, mes chers amis. Le portail s'ouvre. Et... on s'en va à l'aventure. Et voilà. Et c'est la fin de la démo. Thank you for playing. Voilà, c'est demain qui sort. Voilà, le 28 mars. Très bien. Ben, y a pas de problème. Hein. Merci d'avoir joué. Ben, je vous remercie à vous pour cet excellent jeu. Hein. Il m'a l'air très prometteur, hein, de toute façon. Donc, voilà. Blossom. Et voilà. Donc, du coup, on va avoir droit au petit trailer, mes chers amis. Hein. De quoi donner envie aux joueurs, hein, bien évidemment. Ben, bon, ça, on a connu ça, hein, bien évidemment. Ça aussi, on a connu. Ça, on n'a pas connu. Ça a l'air extrêmement excitant comme jeu. Elle a des petites fées aussi, hein, bien évidemment. Bon, ça, on l'a découvert. Voilà. Et du coup, on découvre des petits passages secrets. Ah, ça a l'air excellent. Ah, j'ai vraiment envie d'y jouer, hein, mes chers amis, franchement. On a des petits boss comme ça et tout. Et des petites strats et tout. Des petits villages et tout à découvrir. Des gros boss, là, qui font 2 tonnes de kilos. Bah, ça veut rien dire ce que j'ai dit. Hein. Y a pas de soucis avec ça. Voilà. Et oh, excellent ça. Ah, on a même des cactus dans la neige. Ah, on a des petits balrottes. Et on a de la difficulté avec tout qui s'effondre. Ah, on va même devoir utiliser des techniques spéciales pour se faufiler. Pas mal. Ah oui, ça a l'air très 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 difficile. Ça a l'air super bien. Je pourrais peut-être rager. Ben voilà, mes chers amis. Le 28 mars, demain. Alors, pour ceux qui ont envie de l'acheter, bon, c'est vrai que ça fait un peu tard pour faire une démo, mais bon, c'est comme ça, et puis je fais ce que je veux. Voilà. Bref. Eh bien, voilà, mes chers amis, pour ce qu'il en est de cet épisode hors série, je crois que c'est le 8-9, hein, bref, hein, de toute façon, ce sont les hors série. Hein. Il y a des numéros, mais ils ne se suivent pas, puisque ce sont des présentations de jeux. D'ailleurs, je pense que dans les hors série, je ne vous ferai pas que des jeux indé rétro, bien évidemment. Dans les hors série, il se pourra que, comme son nom l'indique, c'est des hors série, donc ce sont des découvertes de jeux, et etc. Et je pense que je pourrais même vous faire des jeux récents. Hein, pourquoi pas Moebius Final Fantasy. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici du Minecraft, pourquoi pas. Bon, c'est vrai que c'est de l'indé aussi, mais bon, bref. Qu'est-ce que je pourrais vous faire d'autre? Pourquoi pas même du Sonico. Hein, j'avais bien envie de vous faire Sonico. Pourquoi pas des MMO? Ah bah, comme j'ai déjà pu vous faire avec Final Fantasy quand c'était l'event de Noël. Hein. Si j'ai encore droit à des jours de congé, pourquoi pas je vous ferai un peu de Final Fantasy 14. Bref. Donc voilà pour ce qu'il en est de cet épisode d'aujourd'hui, mes chers amis, ce petit hors-série, hein, sur cette petite découverte, sur cette petite démo de Blossom Tales, hein, voilà.
Donc du coup, on se retrouvera pour Blossom Tales réellement le jour où j'aurai terminé mon let's play sur Pokémon 3D. Hein, ça, on verra. Hein, ça sera peut-être dans très longtemps. On verra où on en sera, mes chers amis. D'ailleurs, ce mercredi, retrouvez l'épisode, bien évidemment, 5 de Pokémon 3D, hein, où nous avons battu notre, battu pour la première fois notre rival dans l'épisode précédent. Et maintenant, nous nous dirigeons tout simplement sur la ville prochaine. Hein. Nous sommes arrivés à la ville prochaine, d'ailleurs, hein, qui est Violet City, hein, et où nous allons battre le premier boss, hein, c'est-à-dire le premier champion d'arène pour la Ligue Pokémon, mes chers amis. Et si vous ne suivez pas Pokémon 3D, nous nous retrouvons bien évidemment ce samedi pour Tombi, l'épisode 16, où nous approchons tout doucement de la fin. Hein. Je pense que l'épisode 22, hein, c'est pas comme si j'avais déjà terminé tous les épisodes, mais bref. Je veux dire, l'épisode 22, ce pourrait être la fin. Hein. Enfin, on pourra arriver à une somme de 22 épisodes, en gros, pour Tombi. Et dans tous les cas, mes chers amis, on se retrouve au prochain épisode. Jusque-là, portez-vous bien et à la prochaine. Bye!